Bah, Ivy. T'aimes Ivy? Eh, franchement, je sais même pas comment lui dire. Ah, c'est trop bien. Bon, arrête. Franchement, j'ai envie de lui dire, mais je sais pas. Mais qu'est-ce que tu perds à lui dire? Bah, me taper la honte déjà, hein. Et aussi, j'ai pas envie de briser notre amitié. Ou même qu'elle me recale, tu vois. Je suis très fragile, moi. Bah, je sais bien. Mais regarde, si tu lui dis et qu'elle t'aime en retour, écoute-moi. Tu perds rien. Va lui dire. Exprime tes sentiments. Je vais t'écouter. Ok, je vais lui dire. Ah, ça c'est bien, panda. Là, c'est un panda. Hé, panda, regarde, ça tombe bien. Elle est là. Ah ouais. Coucou. Salut. Ça va? Ça va bien? Ouais. Oh, c'est bon, ça va? Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Tu sais, Panda a quelque chose de très très important à te dire. Et ça fait longtemps en plus. Hein. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais dis-moi, frérot, dis-moi, je t'écoute. Je te dirai après, c'est mieux. Qu'est-ce que tu nous fais là? Dis-lui, elle est là. Te dégonfle pas. Oui, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vois. Et puis on se fréquente beaucoup. Et puis peu à peu, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai développé des sentiments pour toi. Je sais pas comment c'est arrivé. Mais je t'aime. Je t'aime. Pourquoi tu rigoles? Mais t'es mon frère. Comment ça ton frère? Je suis en train de t'avouer mes sentiments. Bah, je t'aime bien, mais... On est frère et soeur. Ah, faut que t'arrêtes avec ça. Frérot, je suis pas ton frère. On n'est pas de la même famille. Arrête ça, t'as vu ce que t'as fait? C'est toi, c'est ça là en fait. Je suis en train de t'avouer mes sentiments et toi t'es là, tu rigoles, gna 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 gna. Vas-y, dégage. Mais Panda, regarde. Toi aussi, dégage. Frérot, pourquoi tu t'énerves? Vas-y. Vas-y, dégage. Bro, arrête. Bro. Bah, en même temps, je comprends sa réaction. Oui, mais ça fait des années qu'on est comme frère et soeur, tu vois. Ouais, mais je sais bien, mais bon. Mais de toute façon, je vais voir Laurie. D'accord, ok, vas-y. Ok, ciao. Ciao. Hey mec, c'est comment? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille, c'est bien. Là? Alors, c'est comment? Ouais, c'est bon. J'ai trouvé le mec pour la mission. Très fiable, c'est carré, frérot. Tu vas pas stresser. Moi je stresse pas, hein. C'est toi qui devrais stresser. Parce que moi tes gars, moi je les connais pas. Et plus de ça, moi je risque gros. Donc s'il y a un pépin, c'est toi qui vas prendre. Ok, d'accord. Mais mon souci c'est que tu m'as même pas expliqué le bail. Qu'est-ce que je dois donner comme instruction au petit? Ouais, bah écoute, les instructions c'est simple. Là, il y a l'argent qui est coffré quelque part. Tu vas partir récupérer ça. Tu gardes ça. Ton petit, il va chercher la clé USB quelque part. Une fois qu'il récupère la clé USB, vous me ramenez ça. T'as 2 jours pour faire ça. Si il y a un retard, quoi que ce soit, c'est toi qui prends tout. Et je n'ai rien à foutre de ton petit, ton gars, je le connais pas, c'est toi que je connais. On est bon? On est bon, c'est carré. On fait ça. Ok. J'espère qu'il va pas me mettre de plan. Mais reste avec moi, s'il te plaît. T'inquiète, je suis avec toi, tu le sais. Mais là, j'ai des bails à faire, tu vois. Il me faut un peu d'argent et un poteau là, du checks. Il m'a appelé tout ça, il m'a dit ouais, vas-y, viens, tout ça, j'ai un truc à faire avec toi. Du coup, je vais bouger là. Ok? Mais non, t'es jamais là, toi, t'abuses. Je t'ai dit, je suis toujours là pour toi et je serai toujours là pour toi. Ok? Fais-moi confiance. Comment ça, fais-moi confiance? Confiance de quoi? Mais vas-y, toi, t'abuses, t'es tout le temps avec tes business, ça te rapporte rien du tout. Oh là là, un couple qui s'en va. Tu vas m'assumer? Comment ça, je me trouve une autre meuf? Mais viens, oh en fait, là là, mais ça arrête. Ça va? Ben, va bien. Il est mignon, lui. Mais pourquoi il me guette comme ça, elle? Mais qu'est-ce qui se passe, Lorraine? C'est qui? C'est mon copain, il dérange. Moi, je dérange. Bah oui, tu moi, je dérange. Oui, tu déranges. C'est comme ça que tu m'affiches devant tes potes? Oui, et alors? Putain, hey, vas-y. C'est n'importe quoi, là. Son business de merde. Putain, c'est une dinguerie, cette meuf-là. C'est comme ça qu'elle m'affiche devant ses potes. M'énerve là, de jour en jour, il change là, vas-y, m'énerve. Il devient insupportable. Mais tu regardes quoi là? Vas-y, viens, on y va. Mais quitte là, il est fou. Vas-y, m'énerve lui. Bon, tu m'accompagnes? Non, je suis fatiguée, je vais rentrer. Tu m'as dit, ouais, je rentre.
Ah mais c'est bizarre, pourquoi elle va pas avec sa copine, elle prend la direction du mec. J'espère son copain est là encore. Ah oui, elle est loin. La Kista m'attend. Vas-y, je l'assure, je pense qu'il va se passer quelque chose. J'étais avec ma meuf, tu connais, je t'épouse au calme et tout, mais elle m'a pris la tête. Ouais, vas-y, viens mon gars, à l'adresse que je t'ai donnée. J'arrive frère. Tu abuses, si tu veux pas le faire, dis-le moi. C'est bon, calme-toi. C'est pour du bif, t'inquiète. Ok, j'arrive. Vas-y. Lui commence à m'énerver, hein. C'est pas parce que je vais me donner la quicheta que tu vas commencer à ouais, machin truc et tout. Fais vite, sinon il va s'énerver, frère, c'est bon. Faut que j'appelle Panda. Ah, il répond pas. Toujours sous répondeur. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas grave, moi je vais faire mon bail tout seul. Hein. Je le contacte après lui. Ah, mais je comprends mieux, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, ils ont fait un prélèvement. J'ai même plus d'argent là. Comment je vais faire pour faire les courses? Bon, de toute façon, je suis fatiguée là, je rentre chez moi. Ça va, t'es énervé? Un tout petit peu. Mais ah, ça va aller. Tu sais, je te regardais là-bas. Genre le mec de sa copine? Je te trouve vraiment mignon. Et moi, je suis célibataire. Et tu me plais. Mais je vais grave aller dire à sa copine. Mais tu t'énerves pas, hein? Franchement, j'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, mais j'ai une petite idée. Attends, je te coupe. La fille qui est avec toi, c'est qui pour toi? C'est ma meilleure amie. Meilleure amie? Et toi, tu veux gérer le mec de ta meilleure amie? Ouais, mais elle a pas besoin de savoir, tu vois. Comment ça, elle a pas besoin de savoir? Attends. Tu sais ce qu'on va faire? Passe-moi ton Instagram et on se revoit dans 2 jours parce qu'entre temps, j'ai trop de choses à faire. Passe ton Insta. Vas-y. Note. Tous les jours, je m'embrouille avec ma meuf. On se prend la tête de ouf. Et si j'essaie un petit truc avec cette meuf qui est devant moi? Non, je n'arrive pas à y croire. Je me fais draguer. Waouh, ça se voit dans ses yeux qu'elle me kiffe. Ça me bête. J'espère qu'elle est pas loin. Les prélèvements, c'est trop abusé, ils prélèvent à n'importe quel moment. Ça tombe bien, c'est urgent. C'est urgent de quoi? On se connaît même pas. On se connaît pas, mais tout à l'heure, je vous ai suivi avec ta copine. Oui, ma copine, et je l'ai suivi et elle a accosté ton gars. Accosté mon gars? Comment ça? Bah, je les ai suivis et elle a essayé de le gérer. Elle lui disait qu'il lui plaisait, etc. Et que s'ils pouvaient boire un verre ensemble, etc. Attends, t'es sérieuse là? T'es vraiment sûre que c'était elle? Elle était habillée comment alors? Bien sûr, c'était elle. Elle avait une robe rose avec des fleurs et des talons blancs. Je vous ai suivi tout à l'heure, je vous ai vu. Eh, mais là, je pense que je veux faire une dinguerie, elle a craqué, elle ou quoi? Franchement, une fille comme elle, c'est pas une vraie amie. Moi, je te dis d'arrêter de lui parler. De toute façon, je vais l'appeler, hein, parce que elle a fait n'importe quoi, là, cette vieille pote, là. Toi, là, tu joues à quoi? Je tourne le dos, tu vas gérer mon gars? Sérieuse, là? Mais moi, je m'en fous, je fais qu'est-ce que je veux. Comment ça, tu fais ce que tu veux? Tu vois pas, c'est mon gars, ça fait longtemps qu'on est en couple. T'es même pas une vraie amie, tu veux casser mon couple. Mais moi, je m'en fous, si ton copain m'aime, c'est pas ma faute. Mais. C'est qui? Ah, c'est Laurie, elle me casse le couille. Eh, c'est mieux que je te croise pas parce que sinon je vais faire une dinguerie. Donc arrête de faire la folle, ok? T'es avec son copain? Mais ça se fait pas. Mais toi aussi, tu me laisses tranquille. Tu vas rien faire de tout. Vas-y, ça m'a saoulé. Franchement, je peux plus. Je pense que je vais craquer. Franchement, c'est pas grave. Moi, je te dis, vois ça avec ton copain. Viens, on y va.
c'est vraiment une connasse, elle. Hein. Bon, pour un jardin, je dois se laisser. J'espère que ça va aller. Ok, pas de soucis. Merci. Merci. Salut. Là, il prend trop de temps. Il abuse. Mise, mon gars, sûr. Mais tu fais quoi, là? T'abuses. Il y a quelqu'un en haut qui attend des résultats. Mais tu penses quoi, là? Non, mon gars. Easy, calme. T'as pas besoin de t'énerver comme ça. Et tu sais quoi? S'il y a du bif, la kishta. Moi, je suis chaud en mode bing bing. Tu vois ce que je veux dire? Ok, vas-y. Demain, midi, tu vas donner cet argent à quelqu'un et tu récupères la clé et puis tu me fais signe. Ok, mon gars. Les sais que t'as déjà compté. C'est combien il y a au total? Tu vas compter toi-même. Demain midi, tu fais la mission et puis tu m'appelles, c'est tout. La kishta, la kishta. Ah, mais c'est même pas moi. Je dois rendre ça à quelqu'un. Mais j'aurai la kishta. Mais il fait quoi, lui, là? Ah, vas-y, il est vraiment con toujours, lui. Hey Panda, j'ai un plan de malade, un vrai plan, je te jure. Ça me bang bang. T'as un vrai plan là? Hey, t'inquiète, j'arrive tout de suite. Je suis à l'endroit habituel là. T'es là-bas là? Ok, vas-y, je te rejoins. Ah, il est là mon gars. Bah ouais, je suis là, ma gueule. J'ai un plan de malade, un plan de ouf, plus qu'un architecte. Quoi? Plus qu'un architecte? Arrête tes bêtises, essaie déjà d'avoir ton bac. Tu veux pas d'architecte, mon gars? Hein, mon gars? Ouais, c'est toi qui parles d'architecte. C'est toi, tu veux pas le bac, frère? Vas-y, et vas-y. Toi, le bac, tu l'as passé? Ouais. Arrête frère, t'es pas au rattrapage, même au rattrapage, tu l'as pas rattrapé frère. Mais quoi, j'ai rattrapé mec, j'ai rattrapé en courant. Hein? Quoi? Toi t'as couru pour avoir le bac? Arrête frère, arrête, t'étais essoufflé. Bref, là j'ai un plan de malade. C'est quoi, je suis venu frère? Regarde, hein. Regarde, là dedans, regarde. T'as vu ça? Mec, dis-moi, c'est quoi ce plan, frère? Moi, je dois grailler aussi, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Wow, frère, calme-toi. Je vais t'expliquer. En fait, là, il y a un grand. Tu vois, il m'a demandé d'aller donner de l'argent à quelqu'un, à une adresse précise, tu vois, et à une heure précise. Là, j'ai pas trop de temps, là. Si tu peux m'accompagner, il n'y a pas de souci, tu vois. Parce que je sais pas c'est qui, tout ça, si c'est mouvementé, tout ça, tu connais. Toi, t'as des gros bras, moi aussi, je suis... Hein, tu connais la bagasse, mon truc. La bagasse, ton truc, mais si je suis tout seul, que tu vois, c'est un guet-apens, c'est pas trop... C'est pas trop bien, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un mode bang-bang. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? On y va à deux. Si ça se passe bien, tu grattes ta part. Mon gars, je suis chaud à 100%. Je suis chaud. Mon gars, c'est pas des lol, hein. Est-ce que t'es vraiment chaud? Je suis chaud. T'es chaud. Ben ouais, mon gars, je suis chaud là, tu vois pas ça? Hey. Dans la vie, quand il y a une opportunité, faut la saisir, mon gars. On y va. On y va. Tu sais, Panda, c'est trop bizarre. J'ai plus envie d'y aller. Son bail, il est chelou. Pourquoi il va pas lui-même? Mais attends, si tu ne joues pas, comment tu auras une chance de gagner? Parce que dans la vie, on finit toujours par gagner. On n'a pas besoin d'avoir une chance pour gagner, frère. Gros, t'es trop parano. Ta fierté, ton ego sont tes pires ennemis. Hein. Je ne suis pas parano. Par contre, je suis prudent. T'as capté? Si tu dis que t'es prudent, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Gros, moi je veux plus le faire. J'ai des doutes, hein, c'est bizarre. Lui, il pouvait le faire, son bail, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est bizarre. Il m'envoie tout ça alors que c'est un mec. Il est dans des pailles sombres. Il fait des dingueries, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu racontes? Gros, pour une fois qu'il y a de l'argent et tu chipotes? Écoute, moi j'ai deux propositions à te faire. Deux propositions? Dis-moi ce qu'ont tes propositions. Alors, première proposition, c'est tout simple. On va là-bas, on donne l'argent, on récupère le truc, ce qu'on a récupéré, et on ramène. Plan normal. Et on gagne de l'argent. Et on est bien.
cet argent-là, si on l'a, tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? Ouais. T'inquiète pas. Ah, je crois qu'on est là. On est sur le lieu de l'adresse. T'es con ou quoi? On dit pas le lieu de l'adresse. Mon gars, on s'en bat les couilles. Attends, lieu, adresse, c'est la même chose. Oh, t'abuses, frère. Tu crois que c'est la personne, hein? Attends, on a rendez-vous avec une meuf. Que ce soit une meuf ou un mec, c'est l'agent qui compte, frère. Tu crois que je vais louper mon plan à cause de toi? Mais t'es ouf, toi. Bref, on y va. C'est des guignols là qui m'envoient. Salut. Salut. Merci. Bête de bail, bête de bail, bête de truc de ouf. Je suis fier de toi, mon gars. T'es fier de moi? Bien oui. Mon gars, t'inquiète pas, on va voir le grand, tout ça, ça va bien se passer. Ah, bang bang. Bang bang. Bang bang, ma gueule, t'es ouf, toi. On y va, on y va, on y va, on y va. Deuxième proposition, on n'y va pas, on retourne voir le mec pour lui dire que son boulot n'a pas été fait. Et là, il nous fait une dinguerie et on n'a pas d'argent et on est en train de nous bredouille. Tu veux ça? Attends. T'es ouf ou bien tu fais exprès? Hein? Là, je suis en fait accompli, je sais même pas quoi choisir. Gros, il y a des thunes dedans, je sais. Mais la deuxième proposition, frère, je pense que t'as raison. La première, elle est mieux. Parce que la première, on y va, tout se passe bien, ça se trouve, tout va bien se passer, tu vois. Mais la deuxième, il nous fait du sale, tout ça. Jamais de la vie, panda. Jamais, jamais, jamais. Moi, on me fait pas du sale, hein, frère. On y va, hein. Ouais, on y va, c'est mieux. Ah là 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 là. Là, c'est le lieu de l'adresse, mon gars. Ah, mais dis-moi, on va donner de l'argent, là. Tu sais, c'est quoi le but de tout ça, de la transaction? Depuis tout à l'heure, on marche et tout. C'est quoi le but? C'est pourquoi, en fait, cet argent? Le but de la transaction? Je vais t'expliquer. En fait, il m'a donné une somme d'argent pour remettre à quelqu'un. Parce que là, il a fait... Il a commis un crime. Crime? Je suis un frère. Frère, tu m'amènes dans des bails comme ça? Oh, laisse tomber. En gros, là, l'argent que je vais passer, la personne doit me donner une clé USB et dans cette clé USB-là, il y a les preuves dedans, genre les caméras de surveillance, tout ça. Ah non, non. Mais frère, tu me ramènes dans des bails comme ça? Mais gros, calme-toi. Il y a R. T'inquiète, mon gars. Ah, c'est bon. Tu m'as dit, ouais, la proposition 1, la proposition 2. Donc mon gars, fais-moi confiance, frère. Quelle confiance, frère? Tu m'amènes dans le truc de crime, tout ça. Moi, je suis pas dedans. Comment ça, dans le truc de crime, comment frère? Comment ça? C'est toi, frère? Tu me mais dis que malade, tu toi, frère. Frère. Mon gars, on y va, il y a l'agent, tu me dis quoi? Mais tu me parles des trucs de bizarre, là, des trucs du bail sale, frère. Quel bail sale, quel bail sale. Pourquoi j'avais pas confiance à toi dès le départ? Mais t'es un haut, frère. Eh, c'est pas toi qui m'as dit, faut saisir les opportunités. Si tu ne joues pas, comment tu vas gagner ça? Tu m'as dit non. On y va, ouais, frère. Ouais, mais frère, tu me dis. Mon gars, il y a la kishita, il y a l'agent, frère. T'es au chômage, frère, ça fait 5 mois. C'est bon, pour une fois qu'il y a du bif, on y va, wesh. Vas-y. Voilà, là, c'est toi qui marches devant, ça me fait plaisir. T'as vu? Oh, panda, mon gars. Bon, on y va, mon gars. Ah, mon gars, panda, c'est bon. Arrête de bouder, frère. On va se faire de l'argent, frère. Waouh. T'as vu la meuf? C'est elle? C'est la personne? T'es sûr? Non, 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 je crois pas, frère. Ah mais ça c'est pour dissimuler, tu sais, les trucs, quand c'est une meuf, on regarde pas trop. Les gens regardent pas. Non, moi ça. Je fais pas confiance en frère. Il m'a même pas dit c'est une meuf ou un mec, il m'a dit ouais une personne. Ça se trouve c'est... Ouais c'est... mais une personne, voilà, on t'a envoyé une personne, quelque chose. Mais moi je suis sûr, c'est pour dissimuler, ça c'est sûr. Dissimuler pas dim, c'est vrai. Attends, le français, viens, on y va, viens, on y va. Salut, ça va? Salut. Ouais, c'est pour la clé, USB. Du coup, voilà, il y a l'agent, tu peux compter. Hein. Je vous fais confiance. Ok. Elle est où la clé? Un instant. Ok, ça marche. Comment ça, tu l'as pas sur toi? Elle a dit un instant, frère. Pose trop de questions, frère. C'est bon, on attend. Faut okay. Aller chercher la clé. Mais oh, c'est toi qui a dit ouais, il faut faire confiance, tout ça, non? Elle est prudente aussi. Je la sens pas.
Oh, ça, tu la sens pas. Elle sent bon, frère. T'es là, je la sens pas, frère. Toi, tu veux rigoler dans des situations pareilles. C'est bon. Ouais, toujours nerveux, ce mec, frère. Il y a l'argent. Sois heureux. C'est rien. Toi, mais t'as dit, il faut être prudent. Elle est prudente, frère. Mmh. Ça se trouve, elle pense qu'on est les mecs de Pablo Esco. Bah. Je savais pas que ça allait être facile comme ça, mon Dieu. Ils sont vraiment cons, ces deux mecs là. J'avais oublié qu'il n'y a pas de sortie ici. Il faut que je me cache. Elle met trop de temps. Arrête, t'abuses, frère, ça ne fait que 2 minutes. Arrête, t'es mytho, ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes qu'ils sont pas là. J'espère qu'ils vont pas me voir. Et gros, là, ça fait 25 minutes, là. Patiente, sois patient, frère. Oh non, non, c'est toujours les pauvres, ils sont pressés, frère. Ça se voit, t'as jamais vu l'argent en espèce, une grosse somme, frère. C'est bon, oh, t'auras ta petite part. C'est bon? Ah ouais. Voilà. Ça fait plus de 40 minutes. Ils sont toujours pas là. Je pense qu'ils sont partis. Il faut que je pars. Fais-moi le temps. 45 minutes, mon gars, qu'on attend ici. Ah, c'est chaud. Parce que le grand, là, gros, il rigole pas. Hein. Ah, ça fait déjà trop longtemps, le petit m'a pas appelé là. Ah, vas-y, je le lance direct. Mais putain! Mais j'en ai marre de tomber sur ta messagerie, je te laisse un message là. Il est où l'argent? Il est où la clé? Mais fais vite! Merde! T'as intérêt à faire rapidement parce que je n'ai plus le temps à perdre. Vas-y. Passe, frère. Passe mon tel. Moi, tu m'as même pas dit qui m'a appelé. Mais moi, je sais pas, moi. C'est lui qui. C'était lui? Oui, numéro masqué, c'est lui, frère. T'abuses là. On m'appelle, tu. Putain. Gros, tu sais quoi? Viens, on va la chercher. Viens, on va la chercher. Tu regardes quoi là, frère? Je te l'avais dit, frère. Fais quoi? Je crois que je vais avoir une crise cardiaque, frère. On aurait dû la suivre. Hein? On aurait dû la suivre. Viens, on va voir là-bas. Eh, hey, mais il y a un coup de fil là. C'est masqué. Ouais. Coupe, frère. En plus, ton doigt là, tu veux l'appuyer. Putain, mon pote, ta messagerie, comment ça se fait? Je t'avais dit midi. Et le mec, il m'avait donné 2 jours. Et aujourd'hui, on a déjà dépassé midi. Je t'ai déjà dit que je n'avais que 2 jours pour avoir ce putain de problème résolu. Il est où l'argent? Il est où la clé? Ah. T'es fou quoi? Mais quoi? Pourquoi? Faut répondre, non? Répondre de quoi, frère? On a même pas pris la clé USB. Mais c'est ça, c'est ta faute, mon gars. Je t'avais dit, ouais. Ouah, c'est de ma faute? Mais si c'est ta faute. Putain! Hey, de base, je t'avais dit, gros, je ne veux pas partir. Tu m'as dit, ouais, solution 1, possibilité 2. T'en ouf, toi, frère. Non, hey, c'est toi le ouf, frère. Hey, c'est toi, frère. Toi, tu ne touches pas, frère. Putain, il est où l'osé? C'est toi, tu t'as dit, ouais, il y a l'osé, il y a l'essai. C'est toi, dès que. Putain. C'est toi, tu vas être dans la merde, toi. Moi le gars, il me connaît pas. Hein. Il connaît pas mon visage. Moi, j'y vais, moi. S'il m'attrape, la vie, je t'attrape. Y a pas de ouais. Si t'attrapes toi, tu vas m'attraper quand toi?
Il va t'attraper, il va en finir avec toi. Tu fuis là? Ben oui, mon gars, moi je suis plus là-dedans. Ah ouais, donc toi tu fuis là? Tu fuis? T'es lâche. Je savais que t'étais un lâche. On va chercher la meuf, frère. Comment ça? Imagine, on l'attrape, on prend l'oseille. Ah, vas-y. Moite-moite. Il n'y a pas de moite-moite, frère. Ah, mais ça, si. Non, non, gros, tu voulais fuir, frère. Bah, si on l'attrape, son normal. T'as 2%, j'en bats les couilles. Si on... Quoi? Je m'en bats les couilles. On y va. Sinon, je réponds au téléphone. Hein. Je dis ce qui se passe. On fait comment là? Mon Dieu, ils sont toujours là. C'est toi, on fait comment? Frère, tu commences à m'énerver. Hein. Tu m'énerves vraiment, frère. Mais comment ça, je t'énerve? Oh, c'est bon là, c'est le soleil qui me chauffe la tête là. Je commence à m'énerver, franchement. Ah. Viens, on va la chercher. Vas-y, viens. Ouais, viens, on va. Excuse-moi, tu connais, frère. C'est, ah ouais, c'est les émotions qui montent. Maman, j'aime pas. Hey, tu me connais, j'aime pas ces gens de bourbier. Oh, gros, c'est bon, frère. Comment vas-y. Ça, t'aimes pas? Mais quand elle est passée où? Viens, on cherche, viens, on cherche. Je cherche dans les buissons. Oh là là, ça se trouve, elle est. Mais tu regardes en dessous, pourquoi? Tu penses qu'elle va se cacher en dessous ou quoi? Eh, ça se trouve, elle a pris l'avion. T'es con, toi, tout. Pourquoi? Comment ça, je suis con? C'est une blague, frère. Ouais, t'as vu, t'as rigolé, t'as rigolé, ouais, t'as bon, rigolé. Bon, tu vois, c'est pour déstresser tout ouais. Ça. Tu sais quoi, mon gars, viens, on cherche plus de vrai. On cherche plus de vrai. Cherche, on cherche. Regarde, j'ai regardé là, ça se trouve, elle a grimpé. Mais t'es con ou quoi? Mais c'est pas possible. Tu penses qu'elle va grimper avec ses talons? Bah si, elle n'a pas grimpé, il y a une impasse. Elle allait où? Elle allait où? Voilà. T'as raison, je pense qu'elle a grimpé. Voilà, j'ai raison. Elle a grimpé, frère. Tu connais pas les meufs, hein, frère? Quand c'est chaud, là, l'adrénaline, frère, l'adrénaline, ça te fait faire des trucs. Ça grimpe partout, quoi. Non, l'adrénaline, ça te fait faire des trucs de ouf. Ouais, c'est vrai. Tu vois, la dernière fois, je t'ai mis une patate. Ouais, c'est vrai. C'était l'adrénaline, frère. Ouais, ouais, c'est vrai. On gars, c'est quoi? Viens, on y va. Ils sont partis. J'ai pu y aller. T'as vu le petit là, The Grims? Non. Oh, putain. Hey. Viens là. Ah mon gars, ah, je suis content de te voir. J'espère que t'as ma clé USB, frérot. En fait, je l'ai pas ta clé USB. Ah, c'est pas bon pour toi. Tu vois ça? Regarde ça. Rosé Grims m'a mis dans les problèmes. Marche droit. Lève tes mains, marche droit. Paris, c'est pas magique du tout. Je t'avais prévenu, il n'y a pas de magique ici. Allonge-toi, The Grims, je vais... Tu vas assumer maintenant.